Coucou ou bien recoucou, donc c'est la deuxième vidéo de ce jeudi. Dans la première, on a donc joué avec le jeu des hérissons, donc c'était avec la pâte à modeler et les piquants. Pour cette vidéo, on va faire complètement autre chose. Nous allons faire du langage et du vocabulaire, puisque nous allons voir ou revoir le nom des animaux. Donc on va se servir de l'alphabet des animaux. Donc, j'avais pu montrer ça aux grands juste avant que l'école ferme, pour ceux qui se rappellent. Donc on a l'alphabet traditionnel A, B, C, D, etc. Et pour chaque lettre, nous avons un ou bien deux animaux. Alors aujourd'hui, on va juste dire le nom des animaux, d'accord? On va pas écrire. Parce que l'écriture des animaux, c'est prévu avec les grandes sections. On fera ça quand vous revenez après les vacances. D'accord? Là, on va juste dire le nom des animaux. On va les faire dans l'ordre. Donc, on commence avec la lettre A. Donc, lettre A, nous avons abeille et araignée. Pour la lettre B, nous avons baleine et biche. Lettre C, nous avons crocodile et canard. Lettre D, nous avons dauphin et dromadaire. Alors c'est pas le chameau, parce que chameau ça commence par un C. Nous, on est dans la lettre D et le dromadaire, il a une seule bosse sur le dos. Lettre E. Escargot et éléphant. Lettre F. Fourmi et flamant rose. Lettre G. Donc le G, il fait soit G, soit J. Donc là, on a girafe. Donc ça fait J. Et là, on a grenouille, donc ça fait G. Ensuite, on a la lettre H avec hérisson et hibou. Alors, c'est pas une chouette, chouette, c'est avec un C. Nous, on est sur la lettre H, donc c'est hibou. Et le hibou, il a des petites plumes sur la tête, on dirait que ça lui fait des oreilles. C'est pas des oreilles, c'est juste des petites plumes. Le hibou, il a ça, mais pas la chouette. Lettre I. Vous avez envie de dire lézard, mais lézard, c'est avec un L. Là, c'est lettre I, c'est un iguane. Lettre J, c'est le jaguar. Souvenez-vous, le jaguar, il a des taches comme ça. Lettre K, nous avons le
koala et le kangourou. Et vous avez vu, le kangourou, il a son bébé dans une poche. Ensuite, après le K, c'est le L avec le lapin. Donc le lapin de Pâques, par exemple, qui ramène les œufs en chocolat. Il passera quand vous revenez à l'école. Avec le L, on a aussi le lion. Et le lion, il a la crinière tout autour de son visage. Plein de poils, c'est la crinière. Ensuite, M, avec le mouton et la mouche. Ah, lettre N. On a celui-là. Vous avez toujours du mal à retenir. C'est un espèce de dauphin avec une espèce de grande corne comme ça. C'est le narval. Narval. Lettre O. Alors, lui, ça commence par O-U. Ça fait OU. Et c'est ours. On a aussi otarie. Ensuite, lettre P avec papillon et poisson. Ensuite, lettre Q. Alors lui, il est génial. Regardez. C'est le coca. Et le coca, il est tout le temps de bonne humeur. Je vous conseille de taper coca sur votre moteur de recherche. Vous allez voir, il y a des photos extraordinaires. Donc le coca, ça s'écrit Q-U-O-K-K-A. Franchement, trop bien. Ensuite, lettre R. Le renard et le rhinocéros. Lettre S. Nous avons le singe et le serpent. Lettre T. Tortue et tigre. Alors souvent vous confondez le lion et le tigre. La grosse différence, c'est que le tigre, il n'a pas de crinière autour de son visage, vous avez vu? En plus, lui, il a des rayures. Le léopard, il a des taches. Le tigre, il a des rayures. Ensuite, lettre U. Alors, celui-là, il est difficile. Souvenez-vous, c'est un oiseau donc qui a une tête toute rouge et il s'appelle U. Rue Bu. Il n'y a que des U dans son nom. U, Rue Bu. V avec la vache. W. Alors W, c'est pas facile non plus. C'est pas un cerf, c'est pas un renne. C'est un wapiti.
Souvenez-vous, le W, il fait wa, wa. Avec le A, ça fait wa. Wa-pi-ti. X. Alors, X, pas facile non plus. Alors, il ressemble beaucoup à un écureuil, mais ça commence par un X, pas par un E. Donc, c'est le Xérus. Xérus. Y. Alors, pour le Y, on a une vache qui est très, très, très poilue, très grosse. Et c'est le yak. Avec un Y. Yak. Et on termine par la lettre Z avec le zèbre et le zébu qui ressemble beaucoup à une vache, à la différence que le zébu ici, hop, il a une petite bosse. C'est le zébu. Et voilà, on a terminé avec l'alphabet des animaux. À la rentrée, avec les grands, on s'amusera à écrire le nom de certains animaux. Voilà. Donc c'est terminé pour les vidéos du jeudi. Je vous dis à demain pour le dernier jour avec les deux dernières vidéos. Au revoir tout le monde!